on est tous un peu rêveurs, mais faut un moment, faut arrêter de rêver. On est comme, je crois que Genève a repris le 10 août. On a recommencé avec nos joueurs étrangers cette semaine. Donc, des joueurs étrangers qui sont dans le 5 de départ. Donc, c'est clair qu'on a énormément de retard sur toutes les autres équipes, mais ça peut se rattraper. Ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut rapidement changer, c'est notre engagement. Notre engagement, on sait que ça va être dur. Les 5 premiers matchs vont être très très compliqués puisqu'on a beaucoup de retard comparé aux autres. Mais ça n'empêche pas qu'on doit continuer à travailler pendant tout le match. On doit se donner et on doit se tenir au plan et se respecter nous-mêmes, respecter le maillot en fait. Je crois que priorité, ça va être la défense. Je crois qu'en défense, on peut vite faire quelque chose. On doit juste maintenant se placer dans cette optique-là, que notre jeu sera axé sur la défense pendant, je dirais, toute la saison, mais sur ces 3 prochains mois, énormément, pour qu'on puisse faire des résultats. En tant qu'entraîneur, comment vous avez vécu ce match à huis clos, sans le moindre spectateur dans cette salle du reposé? Ah, c'est bizarre. C'est clair que je pense que les spectateurs de Montaigne nous auraient pu nous donner un boost. C'est un peu bizarre maintenant. Honnêtement, je suis quand même content d'avoir retrouvé le banc. Pendant un moment, cette semaine, j'y croyais plus. Et non, je suis vraiment content de retrouver le banc. Il y a aussi des mesures sanitaires, évidemment, à respecter. Ça change quelque chose dans votre manière de préparer les matchs, dans votre manière de gérer une rencontre aussi en tant que coach? Non, ça change pas grand-chose. On doit juste faire un peu plus attention. On respecte le règlement, mais ça impacte pas vraiment le job du coach actuellement. Non. Vous la comprenez-vous, cette décision prise aujourd'hui de poursuivre la saison, de ne pas marquer de pause? Oui et non. Maintenant... Je pense que le seul petit problème qu'on a au basket, c'est qu'on n'est pas vraiment professionnel. Les joueurs ne sont pas assez testés. Mais ça, c'est clair, on n'a pas les moyens du hockey et du foot. Mais actuellement, je crois que les matchs qui se sont déroulés avec les équipes adverses se sont bien passés. Il n'y a pas eu de transfert de virus d'une ville à l'autre. Donc pourquoi l'arrêter maintenant? Maintenant, après, c'est une question financière et ça faudra plutôt les poser au président.